Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va se retrouver pour apprendre à défendre sur FIFA 19. C'est quelque chose qui sera essentiel sur ce nouveau FIFA, tout simplement car on va tomber contre des Mbappé, des Ronaldo et c'est vraiment pas simple de défendre, mais avec cette technique vous allez voir ça marche vraiment très bien. C'est la technique de défense assistée tout simplement, ils l'ont remis sur ce FIFA 19 avec la défense où on peut presser à deux joueurs. Je vous avais expliqué cette technique tout simplement sur le FIFA 17 et là je remets ça sur ce FIFA 19 car ils ont remis ce mode de défense. Donc on va prendre le Paris Saint-Germain, on va lancer contre la Juventus, hein, contre Ronaldo, pour vous prouver que ça marche même contre les joueurs qui sont super forts. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette technique et aussi de cette démo. Moi je trouve que le gameplay est pas du tout pareil que FIFA 18. Après voilà, c'est chacun son avis. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette démo et si vous êtes pressé que le jeu sorte, hein, tout simplement. Sur ce FIFA 19, on va essayer d'être très compétitif. On va faire tous les fûts champions. Enfin, si j'ai le temps bien sûr, mais la plupart du temps, voilà, je ferai fûts champion. Après on verra selon mon emploi du temps. Mais voilà, on va essayer de gérer sur ce FIFA 19. Donc voilà la technique pour apprendre à défendre. On va leur donner le ballon tout simplement déjà. Donc en fait ça va consister à mettre un joueur en retrait. Donc comme je le fais ici. Enfin bien sûr vous n'allez pas mettre Mbappé, hein, vous allez mettre admettons Verratti. Et vous allez appuyer sur R1. Donc vous allez attendre que votre joueur presse. Voilà, regardez, c'est vraiment très simple. Vous allez apprendre que votre joueur presse le joueur adverse et vous aurez une double couverture derrière. Donc c'est à dire que si l'autre adversaire, voilà regardez, si l'adversaire arrive à passer votre joueur qui presse, vous aurez tout le temps une deuxième solution derrière votre deuxième joueur. Je vous dis c'est vraiment très simple. Donc là je vais lui redonner le ballon. C'est vraiment très simple de défendre sur ce FIFA 19. Et si le gars a deux joueurs sur lui, comme vous voyez l'ordinateur, voilà, automatiquement se met à faire des centres, se met à tirer, mais voilà, il n'est pas dans de bonnes conditions. Voilà, je mets Verratti. Donc là, regardez, il a su se démarquer. Je mets Silva en arrière-plan. Donc là, il va centrer, normal, il est sur le côté, et c'est lire. On va essayer de leur rendre la balle. Hop. Donc là, sur corner, bien sûr, on ne peut pas le faire, hein, c'est automatique. On va leur rendre la balle. Voilà. Hop. Alors, on leur rend la balle. On saute pas pour la tête. On se met en arrière-plan. On fait presser le joueur adverse. Voilà, comme ceci. Voilà, vous regardez, il sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire du tout. Regardez, il est pressé, il est pris partout. Il va être obligé de centrer. Voilà, hop. Bon là, bien sûr, c'est parce qu'il y a eu le contre. Mais on a récupéré la balle. Voilà, c'est vraiment très simple. Je vous dis, c'est vraiment une technique qui est assez simple. Donc ce qui va nous permettre de presser tout simplement le joueur adverse et de reprendre très rapidement le ballon. Je vais le rendre. Voilà, je le rends. Et on va tester une dernière fois. Voilà, on se met en retrait. Regardez, je suis en retrait avec Verratti. Ils vont le presser. Regardez, le joueur le presse. Voilà. Il ne peut rien faire en fait. Voilà, et hop, là on récupère le ballon. Donc là c'est, encore une fois, il y a eu le compte. Et voilà, il est obligé de centrer pour se défaire de ce marquage. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur cette démo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Et n'hésitez pas à vous abonner.